Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo essai moto, vous l'aurez compris, hein, j'ai le casque. Et aujourd'hui je vais essayer un Honda 250 CRF L. Je suis en train d'halluciner, je regarde derrière, je peux pas vous le filmer avec la caméra, je pense que ça rendra pas. Il y a un vautour qui est en train de tourner autour, je pense que pas loin on doit avoir des bêtes qui doivent être en montagne en train de pâturer. Sûrement peut-être des vaches ou peut-être même des moutons, je dirais brebis. Mais là le vautour il tourne, il gigote, il y va. Alors un Honda 250 CRF-L, et ben voilà, c'est ça les amis. Et là on est sur un full origine. Et je sais ce que vous allez vouloir, c'est entendre son bruit. Et ben voilà le bruit que fait un Honda full stock. Alors les amis, pourquoi aujourd'hui je vous présente cette machine? Tout simplement, c'est une machine qui est arrivée à l'atelier. C'est un ami, il a acheté donc cette moto d'occasion, mais c'est une moto qui avait été rabaissée. L'ancienne propriétaire était une femme, une petite femme, qui avait donc fait rabaisser entièrement cette moto de façon à pouvoir toucher par terre. Et donc moi, je lui ai remis en config d'origine. Donc il a fallu, donc c'est rien, hein, desserrer les pontées, redescendre les fourreaux pour les mettre au bon réglage. Et après, juste derrière, et ça se fait aussi très bien, vous comptez une petite heure, c'était démonter la bavette par exemple, pour après changer ici la petite biellette là, changer l'amortisseur aussi pour en remettre un peu plus long, parce que celui qui avait été mis était plus court, et la biellette aussi était légèrement elle plus longue, de façon à asseoir la machine. Derrière, il y a eu quelques réglages, réglage des leviers, que ce soit de frein ou passage de vitesse, réglage des gardes aussi, voilà, qui n'était pas très bonne. Un petit check complet, et voilà, donc la machine est prête à rouler, et aujourd'hui je vous la présente, et surtout, on va la tester. Avant tout ça, je vais commencer avec un petit peu d'histoire, vous savez que j'aime bien commencer mes vidéos comme ça. Donc là, on est sur une machine, d'accord, un 250 cm3, ok, CRF, la version L. C'est une machine qui est classée, si vous voulez, en bisport, en double sport, d'accord. C'est un véhicule qui est homologué route, mais qui à la base est conçu pour faire du hors-route. Et c'est un modèle qui va être produit de 2012 à 2020. Dessus, on retrouve donc un moteur 250 cm3 monocylindre DACT à injection. C'est un moteur 4 temps, refroidissement par liquide, qui permet une vitesse de pointe maximum de 130 km/h. Le véhicule que je vous présente aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler une phase 2. D'accord, il y a eu la phase 1 et la phase 2. La phase 1 a été produite de 2012 à 2016, et cette phase 2 a été produite donc de 2017 à 2020. Il y a quelques différences, on a surtout une norme au niveau du moteur qui est complètement différente et qui a permis quand même de gagner quelques chevaux. En effet, aujourd'hui, ce monocylindre, c'est 24,4 chevaux à 8500 tours minute et on a aussi une version qui est équipée de l'ABS. Une machine qui au total pèse 146 kg, équipée ici d'un réservoir métal de 7,8 litres. Je vous laisse faire le calcul, mais on a une machine en ordre de marche d'environ 154-155 kg. On notera aussi au niveau de l'assise une hauteur d'assise de 89,5 cm, ce qui est assez haut quand même, hein. Vous verrez après, je vous montrerai dessus, moi je suis à 1m72, on va en reparler, et une garde au sol de 27 cm. Concernant les roues, on a une roue en 18 pouces à l'arrière, une 21 pouces à l'avant, vous l'aurez compris, c'est un mini trail, donc les trails c'est souvent équipé comme ça, les maxi trails sont souvent 21-17, ici on est en 21-18. On a à l'avant et à l'arrière un système de frein à disque équipé d'ABS comme je vous disais tout à l'heure, avec ici deux pistons pour le freinage et seulement un piston à l'arrière. Jante à rayon, bien sûr les amis, hein, quand on fait du chemin c'est toujours plus costaud qu'une jante à lue. Et avec tout ça les amis, vous obtenez une petite machine capable de franchir tous les sentiers qu'on peut lui proposer. Clairement c'est la polyvalence ici, c'est un petit peu de puissance, pas beaucoup de poids. Et clairement, je pense que ça va être un super jouet à tester. J'ai vraiment hâte de rouler avec sur route, en montagne et en chemin. Ah, et j'ai oublié de préciser, au niveau de la fourche à l'avant, ici, donc fourche inversée, on a un débattement qui, lui, est de 24 cm. Quant à l'arrière, l'amortisseur propose un débattement, lui, de 25 cm. Donc, avant d'aller talonner la roue au fond du garde-boue, faut y aller. C'est faisable avec le kit de rabaissement. En origine, c'est compliqué. On le voit, elle est équipée biplace, d'accord. C'est pas vraiment confort pour une deuxième personne derrière. Il n'y a pas de poignée pour se tenir, parce qu'à la base, c'est quand même un trail, on va dire, un peu solitaire. Mais on a quand même l'option, vous voyez, avec les cale-pieds qui sont vite enlevables. Hein. C'est juste un axe sur le cadre. Vous pouvez les enlever pour vous retrouver avec votre monoplace si vous le souhaitez. Et regarde, je te fais profiter un peu de ce panorama magnifique pour faire un essai moto, si c'est pas la belle vie. Et voilà, donc là, je suis dessus. On voit, donc là, en plus, on est sur un terrain qui n'est pas forcément droit, mais je pose pas mes talons au sol, mais j'ai un demi-pied de chaque côté qui pose au sol. Je fais 1m72, je vous l'ai dit, 89,5 de hauteur de selle, ça pose pas problème. En plus, je sais pas si on se rend compte, mais la suspension est très très souple. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Franchement, quand vous mettez dessus, vous l'asseyez quand même un coup. Donc là, pour l'instant, plutôt cool
en position dessus, je suis plutôt bien. Le guidon est pas trop loin, je suis pas bras tendu à fond, vous voyez. Je suis encore un petit peu comme ça, en position normale, donc c'est plutôt cool. Et allez les amis, on est donc parti pour cet essai. Hop. Parfait. On va couper l'ABS. On est dans la pelouse, c'est pas grave. Mais voilà, pour sortir du petit parc. Et on va aller directement sur route, tester tout ça. Alors je sais pas dans quelle vitesse je suis, moi je suis habitué au rapport engagé. Il faut juste que je me réhabitue à compter mes vitesses. Ouais, ça marche quand même. Dans les petites courbes comme ça, c'est bon. Je suis à fond, je suis à fond. On est en deux. ABS de connecter, hein. On est sur route, j'ai gardé l'option ABS pour enlever, et on l'enlèvera tout à l'heure dans les chemins. Je ralentis un petit peu, on m'entendra mieux. Écoutez, franchement, rien à dire. Première petite route de montagne, on peut tirer dedans. Alors on sent qu'on a plus de coupe, on a le maximum de coupe avant d'avoir atteint la puissance maximum que développe la moto en termes de chevaux. Parce qu'au début ça pousse bien, puis à un moment on a un trou vraiment où là c'est assez linéaire. Mais voilà, ça marche bien, c'est qu'un 2,5, hein. Mais c'est plutôt très très maniable. Le confort, la selle est dure, mais on a un débattement, on a des suspensions qui elles sont très très souples, très confort. Du coup ça pallie un peu au problème de la selle qui est dure. Et voilà, que dire de plus, c'est un jouet, c'est clairement un jouet, c'est un vélo, ça prend pas de place entre les jambes. Je vous l'ai dit, c'est une maniabilité déconcertante. Les pneus dessus, il faut regarder le modèle de pneus qu'on a, on a des pneus mixtes qui là pour le coup font vraiment le taf sur route, ça tient très très bien la route. Allez, je vois un départ de piste ici. Alors du coup je m'arrête, j'appuie ici sur le bouton ABS. Voilà, l'ABS s'est mis normalement à clignoter, donc là on devrait être bon. Et ben on va pouvoir aller faire un petit tour dans les chemins avec cette machine, les amis. D'entrée de jeu, on sent le débattement des roues, très très confort. C'est agréable, franchement c'est agréable. Excellent. Hop là. Oh le régal, le régal. L'avantage, je vous le dis franchement, le fait qu'elle soit aussi fine, je l'ai bien entre les genoux. Je suis bien sur l'avant, elle est d'une maniabilité, je le disais déjà sur route, alors là c'est plus qu'agréable. Hein. Là il suffit d'appuyer un peu sur les quatre pieds, on a le grand guidon, c'est grave confort. Pour l'instant je suis resté sur la même vitesse, on voit, je joue pas trop de la vitesse, mais ça passe tranquillement, doucement mais sûrement, on a de la reprise. Donc c'est cool, là en seconde on est tranquille, vous voyez. On monte pépère, pas besoin d'aller chercher plus.
remonter, faut bien redescendre. Hop là. Perfecto. En tout cas, les paysages sont fous. Je connais pas le secteur, mais quelle belle piste, que de beaux paysages. Alors, je vous ai pas mis hors caméra, j'ai dû arrêter ma montée. Je suis tombé sur les vaches, voilà, qui étaient au milieu de la piste. Les vaches qui sont en alpage. Donc, j'ai pas été les taquiner, d'accord. Pour faire juste un essai, il n'y a pas besoin de se taper des kilomètres de piste. Mais regardez un peu là, si c'est beau comme ça, les amis. Tout en bord de falaise, là. C'est superbe, superbe. Je regrette de ne pas avoir la journée, c'est franchement un jouet de fou, une maniabilité de dingue. Et là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller faire de la piste toute la journée, m'amuser ici, découvrir un petit peu le coin. Parce que voilà, les paysages sont assez ouf. Hein. J'espère que vous vous rendez bien compte en caméra. Et on est sur un super spot, on est situé en Savoie. Donc franchement, un vrai régal. Là, si je dis pas de bêtises, on est sur la commune de Hermillon. Et ben voilà, j'en ai retrouvé une petite piste. Vite fait, bien fait, comme ça. Avant de partir, les amis. Excellent. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Les paysages ont l'air fous encore une fois. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce coin, qu'est-ce que c'est chouette. J'essaye de regarder un peu la route, la forme des montagnes, et je pense qu'on va partir par là. J'ai coupé, hein, je suis sorti des sentiers les amis, pour me trouver la place dans des prés pour couper à travers. Hop, histoire de me retrouver une sortie et reprendre la piste. Excellent. Oh là là, le jouet. C'est un jouet pour grands-parents, ça. Yes, c'est là, regardez, on y est bon. Lave-la, la piste. Il n'y a pas de fil. Parfait, c'est ouvert, c'est nickel. Et ben voilà, les amis. Si elle n'est pas belle, la vie. Voilà, petit test, grandeur nature. Petite présentation. J'espère que comme moi, vous avez kiffé cette vidéo, les amis, parce que moi, je me régale. Et hop là, petite pause goudron, on va remettre l'ABS. On peut rouler sans, mais quand on l'a, c'est pas mal de le mettre. Parce qu'on y prend vite l'habitude. Et ça peut sauver la vie sur quelques freinages. On est bon et ça passe. Et bah je pense qu'elle doit être sympa à essayer aussi. On va avoir un petit peu plus de coups.
couple de puissance, surtout le couple qui serait intéressant, parce que là ça manque quand même un peu. C'est vraiment un beau jouet, on s'amuse bien, mais un petit peu plus, je ne serais pas cool. Écoute la crépiter, j'adore quand ça fait ça. Et ben voilà les amis, je vais en rester là avec cette vidéo. En tout cas, je pense que ça va se voir sur mon visage, mais j'ai un smiley de fou. C'est un pur jouet, c'est un pur délire cette machine. Et franchement, bien content d'avoir eu l'occasion de l'essayer, de pouvoir rouler avec et la tester. Ça donne envie, ça donne envie. Je vous dis, je ferai pas des kilomètres non plus avec, mais une petite machine pour faire un petit peu le zouave, sachant que maintenant elle est en 300 cm3, elle était sortie en 2021 en 300. Je pense que là vraiment il y a de quoi s'amuser. C'est un mini trail, mais il est excellent. Il est vraiment bien fait, il est très roulant, il est pas piégeux. Là on a pu voir sur des bons freinages ou même en chemin, c'est vraiment pas un piège cette machine. Elle est très très saine. Ce moteur qui était une norme Euro 4 à l'époque, et ben il marche très très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, bien sûr, je t'invite à la partager et la liker. Et je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.